Et ce soir, Édouard Fritch part pour Paris et sous le bras de très gros dossiers qui pèsent en termes financiers. Le président va rencontrer Emmanuel Macron. Ses espoirs sont simples, boucler une dotation de 15 milliards pour la CPS au nom de la solidarité nationale. Manifestement, le travail d'approche et de concertation entre le gouvernement local et l'exécutif national laisse entendre une signature et une conclusion heureuse. Par ailleurs, la question des contrats de développement sera également sur la table. Édouard Fritch répond à Patita Sabéa avant son départ. La CPS est encore en de grands besoins en matière de financement. La CPS, la taxe sociale qui a été mise en place, ne suffira pas pour maintenir les équilibres l'année prochaine. Donc je vais demander d'actionner la solidarité nationale. Je vais voir le président de la République et en parler avec lui. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.